femme, j'aimerais te dire une chose. L'heure vient et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui une nouvelle ère, changement de saison. Je voudrais rendre d'abord grâce à Dieu pour ce temps et cette belle opportunité qu'il me donne de me retrouver au milieu de son peuple, au milieu de vous. Et un grand merci à mon frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, évangéliste Prosper, pour l'invitation ainsi que la marque de confiance. Merci, nous sommes très très touchés, très honorés surtout d'être là. Que Dieu vous bénisse et ainsi que votre famille, votre épouse, et que Dieu bénisse également toute l'assemblée, vous qui êtes là. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? 24 jours, waouh! Alors je voudrais faire une petite confidence, nous aussi cette année on fait 40 jours. C'est la première fois qu'on fasse 40 jours, donc je respecte ceux qui font les 40 jours. Par contre nous on termine dimanche. Voilà, on a un peu de l'avance quoi, vous voyez? Voilà. Mais que le Seigneur soit béni. C'est des moments merveilleux, des moments excellents. Alors Dieu m'a mis à cœur, pas de prêcher, mais d'enseigner. Alors je voudrais vraiment t'inviter à prendre des notes s'il le faut, vraiment. Je vais dire des choses, par la grâce de Dieu, très importantes concernant donc le thème qui nous est proposé sur le cœur du berger. Avant d'entrer dans le vif du message, j'ai emmené avec moi mes deux derniers bouquins, mes deux derniers livres. Le premier s'intitule « Jésus-Christ, le mystère de Dieu », qui est très très important, très profond, qui nous parle de Jésus, connaître Jésus dans plusieurs aspects, plusieurs dimensions, ainsi que le livre intitulé « Briser les liens spirituels ». D'accord? Amen. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Alors prenons rapidement nos Bibles, nous allons prendre en introduction deux textes. Le premier, c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 3, le verset 15. Et ensuite, nous lirons Ézéchiel 37, le verset 24. Jérémie 3, verset 15, il est dit ceci. Je vous donnerai, ok, gloire à Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Ézéchiel au chapitre 37. Le verset 24, il est dit ceci. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger et ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. Je prie de prendre place dans sa présence. Avant de donner le sous-thème, je voudrais rapidement brosser un peu ce thème. Comme nous l'avons lu dans ce texte, on nous parle ici de David. Et David qui était donc appelé à être non seulement le roi d'Israël, le roi, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, mais il était également appelé à être le seul berger qui devait conduire ce peuple, qui devait paître le peuple de Dieu. Et il devait le faire avec deux choses qui sont très importantes, et c'est les choses qui sont attachées au cœur que je voudrais justement toucher, souligner. Et ce soir, on nous parle de la sagesse et on nous parle de l'intelligence. Si vous voulez avoir le cœur de berger, il y a deux choses qu'il faut rechercher. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. La manière de faire de Dieu, la compréhension de Dieu, le schéma de Dieu, les conceptions de Dieu. Et cela est très important pour être un berger selon le cœur de Dieu. Et ce berger qui est appelé donc à paître le troupeau, à prendre soin du troupeau. Qu'est-ce qu'un berger? Je pense que vous le savez, mais je vais quand même redonner cette définition d'un berger. Un berger n'est rien d'autre qu'une personne qui est chargée, qui est mandatée pour pouvoir guider et prendre soin d'un peuple, d'un troupeau. En effet, lorsque tu es grand frère, tu as tes petites sœurs, on peut t'appeler berger de la famille. Quand tu es parent,
tu es berger de ta maison. Quand tu es chef d'entreprise, tu es berger de cette entreprise. Lorsque tu diriges un département, tu es berger de ce département. Quand tu diriges une église ou quand tu diriges des églises, des structures et des organisations, tu es berger également. Donc en gros, un berger est aussi comme un leader, d'accord ? Quelqu'un qui se met devant et qui conduit le troupeau, qui conduit le peuple de Dieu à destination, qui prend soin et qui nourrit, qui s'occupe pour que le troupeau ou les gens qui sont sous ta responsabilité soient non seulement en bonne santé, mais aussi qu'ils atteignent la destination. Alléluia. Donc, quand on parle de berger, c'est une image de chef. Notez cela parce que c'est très important. Un berger, c'est un chef. Un berger, c'est un leader. Et dans la Bible, nous voyons Dieu lui-même se présenter comme divin berger. Psaume chapitre 23 nous parle justement en détail de ce divin berger. On nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas besoin d'aller plus loin, nous connaissons pratiquement tout ce texte qui nous parle, n'est-ce pas, de ce Dieu qui est celui qui prend soin de son peuple, celui qui nourrit, celui qui protège, celui qui sécurise, celui qui conduit dans des verts pâturages, celui qui abreuve, celui qui fait en sorte que le troupeau ne soit pas en manque. Mais celui aussi qui sécurise lorsque le troupeau passe par des zones troubles. Parce qu'il y a des moments où les choses vont mal, les choses sont difficiles et le berger doit être là pour apporter donc la sécurité. Donc Dieu est le divin potier, le berger par excellence que nous devons en fait regarder, à qui nous devons regarder, vers qui nous devons porter nos regards. Si nous voulons avoir le cœur de berger, eh bien le modèle parfait c'est Dieu lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le cœur de berger tout en copiant les hommes, tout en copiant des modèles imparfaits. Lui, il est le modèle parfait. Dans Hébreux, on l'appelle le divin berger. On l'appelle le grand berger de brebis qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Et dans la Bible également, dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible nous présente Jésus-Christ aussi comme étant le bon berger. Il le dit lui-même. Je suis le bon berger. À la différence d'un mercenaire qui n'est là que pour un intérêt quelconque, qui va paître pour un gain sordide, qui va essayer de travailler parce qu'il cherche un positionnement, il cherche une reconnaissance, il cherche un poste, il cherche un titre, il cherche de l'argent. Bref, beaucoup de motivations font qu'il y en a qui ne sont pas des véritables bergers, mais ce sont au contraire des mercenaires. Mais Jésus dit qu'un bon berger, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Un bon parent est capable de donner sa vie pour ses enfants. Venez menacer son enfant, eh ben il va sortir pour défendre sa maison, défendre sa famille. Un bon pasteur va se lever, il va défendre les brebis contre la menace des loups ravisseurs. Alléluia. Alléluia. De la même manière, Dieu est le bon berger et le divin berger. De la même manière, Dieu nous donne aussi des bergers humains, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, humains, pour s'occuper des besoins du peuple de Dieu dans tous les domaines, autant dans le domaine spirituel que le domaine émotionnel, mais aussi le domaine physique. Amen. Et David est un exemple. David est un type d'un bon berger. Mais un berger qui malheureusement va commettre certaines erreurs. Et c'est de ça que je voudrais parler pendant ces deux jours. Mon sous-thème s'intitule « Les erreurs graves de David ». Les erreurs graves de David. Parce qu'il ne suffit pas de connaître seulement le cœur du berger. Faut-il encore savoir quelles sont les erreurs auxquelles on est exposé ou auxquels on sera exposé demain, qui pourront détruire le cœur de berger, qui pourront, qui ne nous aideront pas à être des bons bergers, des bergers selon le cœur de Dieu, qui vont faire la volonté de Dieu. Et David, malgré le fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis des erreurs, et des erreurs qui lui ont coûté. Et je vais en parler tout à l'heure par la grâce de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
On nous parle ici des petits renards qui vont malheureusement vont causer des gros dégâts dans la vigne. On nous parle ici des petites choses, des choses qui peuvent paraître insignifiantes, qu'on peut banaliser, mais qui ont une portée tellement grave et qui peuvent non seulement endommager nos vies, mais également endommager le troupeau de Dieu. Voilà pourquoi, en termes d'erreurs, il n'y a pas de petites erreurs qu'il faut minimiser. Alléluia! Il n'y a pas de petites erreurs qu'il faut prendre à la légère. Qu'est-ce qu'il est étonnant de voir combien les petites choses peuvent causer des grands dégâts dans la vie. Les petites causes, les petites choses, des choses qui peuvent paraître insignifiantes. Lorsqu'on ne prête pas attention, ça peut emmener des conséquences graves, des effets graves. Vous vous rappelez de l'histoire du Titanic, ce grand navire qui était la fierté, la gloire des hommes qui ont réalisé, c'était comme une prouesse pour eux. Et voici comment, lorsque ce bateau a été, est parti en mer, ce bateau va croiser ou va heurter, j'allais dire, juste une partie d'un iceberg. Il va avoir un petit trou qui va se former dans le bateau et ça va faire entrer l'eau dans tous les bateaux et tout le bateau va couler. C'est comme pour dire, des fois certaines choses peuvent paraître petites, mais qui peuvent avoir des conséquences très graves. Et en tant que berger, il est important que nous puissions prêter attention à cela. Alléluia. Petit veut dire quoi? Petit veut dire de petite taille, de petite dimension, quelque chose qui est insignifiant, quelque chose qui est méprisable, qu'on peut ignorer, qu'on accorde très peu d'importance, mais qui au final ou au finish peut avoir des conséquences graves. Et quand on parle des erreurs graves, c'est quoi le mot grave? J'aimerais que tu puisses souligner cela. Quand on parle d'une erreur grave, le mot grave signifie ce qui est d'une grande importance, dont les conséquences sont également négatives. C'est ce qui est grave, c'est ce qui a des conséquences fâcheuses. Ce qui est grave, c'est ce qui peut produire des dégâts, n'est-ce pas, en qualité et en quantité. Ce qui est grave, c'est ce qui peut mettre la vie des autres en danger. Ça veut dire qu'un leader, un berger, s'il n'a pas, il n'a pas conscience de certaines erreurs, ça veut dire que et l'église, si c'est l'église qu'on dirige, et le pôle, le département, peu importe ce que nous faisons, cela aura de répercussions. Voilà pourquoi le cœur de berger nécessite une attention particulière à certaines choses et à y veiller. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Dieu l'a consigné dans la parole pour que nous ne puissions pas négliger. Aide-moi à dire à ton voisin, ne néglige pas les petites choses. Dis-le-lui bien encore, ne néglige pas les petites choses. Ne minimise pas les petites choses qui peuvent emmener de grandes conséquences dans ta vie. Et David était un berger selon le cœur de Dieu, mais il a commis des erreurs graves. Alors notez quatre vérités concernant les erreurs. Quatre vérités concernant les erreurs en général. Première vérité, c'est que les erreurs sont une possibilité. Les erreurs sont une possibilité. On peut les connaître malgré les précautions. Ça veut dire que tu peux prendre toutes les précautions possibles, mais il y a des erreurs que tu commettras. Mais je prie que ce soit les erreurs mineures, parce qu'il y a des erreurs graves qui, malheureusement, ont des conséquences aussi très graves et ça peut détruire. Ça peut, plusieurs peuvent être blessés. On verra un cas avec David. Alléluia. Deuxième chose importante, c'est que les erreurs ne sont pas obligatoires. Non, tu n'es pas obligé de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que si tu observes bien ceux qui sont devant toi, tu observeras leurs erreurs. Ça te donnera de l'intelligence pour savoir comment éviter certaines erreurs des aînés.
Voilà pourquoi la génération de fils doit toujours avoir beaucoup plus d'avance que la génération de père, parce que les fils voient aussi les erreurs de père. Non pour écraser les pères, mais pour être préparé pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le père. Je prie que toi qui as le cœur de berger, tu ne commettras pas les mêmes erreurs que les pères ont commis. Tu ne commettras pas les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que les erreurs ne sont pas obligatoires. Il y a des erreurs qu'on peut éviter. Dieu va placer des personnes autour de nous. Voilà pourquoi il nous donne des pères spirituels. Il nous donne des mentors. Il nous donne des aînés. Il nous donne des amis. Il nous donne des frères et sœurs qui ont un bon cœur. Le but, c'est quoi? De nous aider à ne pas commettre certaines erreurs. Troisième chose concernant les erreurs. Il y a des erreurs auxquelles on peut se relever. Il y a des erreurs. Quand tu les commets, oui, tu peux te relever facilement, tandis que d'autres, c'est difficile de se remettre. Je donne un exemple. Tu vas me dire, oui, c'est une erreur. Tu as commis l'erreur. Tu es parti courtiser une fille. Vous avez commis commerce, eu commerce ensemble. Et tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Mais si la fille tombe enceinte, il y a une conséquence, oui ou non? Dieu te pardonne, mais la conséquence reste. Voilà pourquoi il est important de mesurer, et c'est ça que je veux parler. Dieu m'a mis vraiment à cœur. Je voulais prêcher, Dieu m'a dit que je ne t'ai pas envoyé prêcher, laisse les autres prêcher. Je t'ai envoyé enseigner mon peuple. Alléluia! Parce qu'ici, il va y avoir des bergers selon le cœur de Dieu. Ah, tu as raté l'occasion de dire amen. J'ai dit, je vois une armée de bons bergers. Des gens qui vont être des véritables modèles. Des bergers qui vont accomplir la volonté de Dieu. Qui vont servir Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Qui vont prêter allégeance au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Mais aussi, qui vont faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Ok, je crois que je parle à ton voisin. Si c'est de quoi que je parle, j'ai dit, c'est toi. C'est de toi qu'il est question. Tu feras des dégâts et des ravages dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Mais il ne faut pas que tu tombes dans ces pièges. Alléluia. Oh, Shandarabo Shikherba. Quatrième chose, il y a des erreurs dont les conséquences restent, comme je le disais tout à l'heure, et qui peuvent vous accompagner toute la vie. Et je prie que tu ne tombes pas dans ces panneaux. Ah, des erreurs difficiles à supporter. Des erreurs qui, quand vous regardez les conséquences, vous pleurez tous les jours. J'ai vu des gens venir me dire, pasteur, j'aurais jamais pu commettre telle erreur. Regarde, aujourd'hui, je paye la peau cassée. Un homme de Dieu qui était un père pour moi, parce que lorsqu'on s'est converti, c'était des gens qu'on admirait. Malheureusement, dans son parcours, il a eu à commettre beaucoup de dégâts sur le plan sexuel. Il a fait tellement de ravages et cela a détruit sa vie, ça a détruit même son ministère, ça a détruit même sa santé. Et un jour, j'étais à l'église, après le culte, je vois une troupe de gens qui viennent. Et il arrive, je tairai son nom, parce que c'est un père. Il vient me voir, il dit, oh, je suis content de te voir. Tu sais quoi? J'étais frappé par un cancer. J'ai failli mourir de ce cancer-là. Mais je t'ai vu dans la vision. Tu es venu dans la vision et tu as prié pour moi. Tu m'as imposé les mains. Et depuis le jour où tu m'as imposé les mains dans la vision, le cancer a disparu. Je viens juste te voir pour te dire merci, que Dieu te bénisse. J'ai dit, ah bon? Moi, un petit, quand je le vois, mais c'est un papa. Je dis, mais non. Frères, sœurs, il y a des erreurs dont les conséquences peuvent être irrémédiables. Que Dieu nous garde. Amen, amen. Oh, je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui vont dire, si je savais, que Dieu t'annonce aujourd'hui pour que tu ne dises pas, si je savais, il y a des choses que tu dois éviter. Alléluia, regarde ton voisin, dis-lui, il y a des choses que tu dois éviter. Dis-lui, il y a des erreurs à éviter. Dis-le-lui. Alléluia. Et pour éviter certaines erreurs, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a un test que David, en tant que berger, va dire. Dans Psaume 119, verset 9, David dit ceci, en tant que berger, il dit, « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» La parole de Dieu qui te donne et les commandements et les avertissements sont là pour t'aider à ne pas tomber dans les pièges.
Quand tu observes ceux qui t'ont précédé, ça t'aide à ne pas tomber dans certaines erreurs graves. Amen. Amen, amen. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu te préserve de cela. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, je vous donne juste la référence. On nous parle de David qui a eu un jour à cœur de faire le dénombrement. C'était une erreur. Et Dieu avait mis des gens autour de lui qui l'ont prévenu. Ne va pas jusque-là. Ne le fais pas. David n'a pas écouté. Je parle des erreurs des bergers. David n'a pas écouté. David a fait le dénombrement. Il a péché seul. Mais les conséquences, Dieu a frappé. Ce n'était pas seulement David. Dieu a frappé le peuple. Donc il y a des erreurs. Donc quand tu commets, tu ne seras pas le seul à subir les conséquences des erreurs. Malheureusement, ces erreurs peuvent toucher à ton environnement, aux gens qui sont autour de toi. Regardez avec moi, 2 Samuel chapitre 24, verset 17. 2 Samuel 24, verset 17. La Bible dit ceci. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, quelles qu'ont-elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. David regarde, il observe. Il constate que l'ange de Dieu est en train de frapper le peuple. Ça veut dire quoi? Si je peux le transposer à notre temps, ça veut dire que si votre pasteur, tu permets, Bishop, hein, le pasteur commet une bourde, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus, d'accord? Voilà, c'est juste un exemple. Alléluia. Oh, pourquoi je dis pas, je dis ça n'arrivera pas. Il faut dire amen. Gloire à Dieu. Nous, on est de la race de ceux-là qui ne tombent pas. Au nom de Jésus, alléluia. Et ceux-là qui glorifient Jésus. Amen. Il commet une erreur. Et à cause de son erreur, Dieu commence à frapper les gens ici de maladie. Et pourtant, vous n'étiez pas coupable. C'est lui qui était le coupable. Mais qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Dieu frappe les autres. Juste une parenthèse. C'est la raison pour laquelle n'allez pas n'importe où. Ça va les jeunes? Vous qui aimez être partout sauf dans votre maison. C'est ta maison ici. Ça, c'est ta maison. Et te voilà, tu es ici. Le lendemain, tu es là-bas. Tu connais l'intégrité de la personne sur qui tu vas, là où tu vas, qui t'impose les mains. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Parce que beaucoup aujourd'hui sont dans le désordre total. Il est ici. Mais attention, il est aussi ailleurs. Frère, ne le faites pas. Dieu vous donne une maison, Dieu vous donne un berger. Je peux le redire, Dieu te donne une maison et Dieu te donne un berger. Il te donne une bergerie et il te donne un berger. Regarde ton voisin, dis-lui, reste dans la bergerie. Regarde-le, crie-lui à l'oreille, dis-lui, reste à la bergerie, reste là. Tu vas aller où? Aujourd'hui, je suis venu décourager tout ce qui était en mode départ. Ah non, tu attendais seulement que le 40 jours finissent pour dire, je vais voir le pasteur pour dire, bon, pasteur, mon temps est fini. Quel temps est fini? Quel temps est fini? Tu es là jusqu'au retour de Jésus. Non, si j'entends de parler à quelqu'un, je dis tu es là. Il y a trop de chrétiens vagabonds. Trop de chrétiens papillons. Un arbre qu'on arrache à chaque fois et qu'on va planter ailleurs ne peut pas grandir. Si moi tu es là, c'est... deux ans tu es là-bas? Non. Si tu n'es pas sûr d'une église, prie d'abord. Observe. Une fois que Dieu met ta conviction, reste là, c'est pour la vie. Donc tu es collé, serré ici au nom de Jésus. Je le dis, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je détruis, je renverse toutes les pensées sataniques, démoniaques, de déloyauté au nom de Jésus. Tu dois rester loyal, tu dois rester fidèle au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu vois, tout ça, je n'ai pas prévu d'en parler, mais Dieu te connaît. Dieu connaît les gens et Dieu dit, parle-en. Amen. Wow. Alors faites attention, faisons attention. Je suis conscient que mon style de vie a un impact sur les autres.
ma manière de faire, ma qualité de vie impactera les autres. David peut pécher en secret, il y aura des conséquences en public. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Nous voyons quelques qualités de David ici qu'il faut copier. Allons-y vite parce que le temps est en train de courir. Quelques qualités de David à copier qui montrent qu'il avait le cœur de berger. 1. David était prêt à servir. Lorsqu'on a un cœur de berger, on est prêt à servir Dieu et on est prêt à servir les autres. Alléluia. Et je prie que tout le monde ici, que tout le monde serve. Tu ne peux pas rester sans servir. Sois un serviteur dans la maison. David gardait les troupeaux de son beau-père et il le faisait sans murmurer. Sers Dieu sans murmure. Deuxième chose, David était un homme très courageux. Oui, devant l'ours, il ne tremblait pas. Devant le lion, il ne tremblait pas. Voire même devant Goliath, il ne tremblait pas. Lorsque tu as le cœur de berger, tu dois être une personne qui est courageuse, qui ne recule devant rien. Parce que tu es investi, n'est-ce pas, de cette charge, de cette mission pour faire avancer le royaume de Dieu. Troisième chose, David avait le sens de responsabilité. Lorsque tu as le cœur de berger, tu es un responsable. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pour faire ta tâche. Tu n'as pas besoin qu'on soit derrière toi à chaque fois. Tu dois être fidèle à ton poste. Parce que tu connais le sens de la responsabilité. Quatrième chose qui caractérisait le cœur de berger dans la vie de David, il avait l'humilité. David était un homme humble. Il était puissant, mais humble. Il est possible d'être puissant, d'être fort, mais de rester humble. David était loin. C'est lui qui jouait la harpe pour Saül, le roi rejeté. Mais il est resté au pied de Saül. Il n'a pas mis des choses en place pour détourner Saül. Il est resté là et il a attendu le temps de Dieu pour accéder à la royauté. Il était un homme humble. Que Dieu te donne l'humilité de cœur. Alléluia. Que Dieu te donne d'être patient. Il était un homme patient. Tu sais que le roi qui est là, il est rejeté. Amen. Tu peux tout faire pour le retirer de là, mais tu attends. Le fait d'attendre, c'est la patience. Attendre patiemment. Dieu fait chaque chose belle en ton temps. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alors regardez maintenant, quelles sont ces erreurs que David a commises. Aujourd'hui, je vais juste parler d'une erreur. Demain, peut-être, je parlerai d'une ou de deux. Et ce soir, je vais juste parler d'une erreur grave, petite, mais grave, de David. David était un mauvais père pour ses enfants. David ne prenait pas soin de sa famille. Ça paraît rien, tu vois. Ça paraît banal. Ça paraît minime. Mais on va voir ensemble les conséquences. Les conséquences étaient très graves. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Si nous voulons avoir le cœur de berger et arriver jusqu'au bout de la mission que Dieu nous confie, il est important de considérer ces choses. Amen. David était un mauvais père pour ses enfants. Il n'était pas un bon mari. Ah, il est possible d'être un bon serviteur, mais de ne pas être un bon père, une bonne mère à la maison. Il est possible de ne pas bien savoir gérer sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce que la parole de Dieu nous dit concernant la famille, concernant la maison. Prenons deux textes, 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit ceci, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, la famille restreinte, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est pire qu'un infidèle et qu'il a renié la foi. 1 Timothée 3, versets 4 à 5. Dans les conditions que Paul donne concernant le choix des évêques, et les évêques étaient des bergers, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il faut que l'évêque ou encore le berger dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment prendra-t-il soin du troupeau de Dieu?
Donc, l'emphase ici est mise sur la prise en charge, une bonne gestion de la famille, une bonne gestion de la maison. Vous allez voir que David était un homme très puissant, très fort. Il était puissant à l'extérieur, mais faible à l'intérieur. Écoutez, il est facile de montrer ses prouesses, ses exploits à l'extérieur. Mais sachez que ce qui vous tient, ce qui vous soutient, ce ne sont pas les exploits de l'extérieur. C'est d'abord votre condition à l'intérieur. Quelqu'un m'a compris? Si à la maison tu n'as pas la paix, ton ministère prendra un coup. Si tu ne sais pas bien gérer ta propre maison, tu n'es pas qualifié pour gérer l'église de Dieu. Alors un berger doit d'abord soigner l'intérieur. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à soigner l'intérieur. Il faut affermir, consolider l'intérieur de sa maison avant d'aller à l'extérieur, avant d'accomplir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, surtout lorsque vous êtes marié et que vous avez des enfants, laissez-moi vous dire, vous n'aurez, si vous avez des enfants, si vous êtes parents comme moi je le suis, tu ne seras jamais appelé papa adjoint. Tu as entendu ça? Tu ne seras jamais appelé papa suppléant. On ne t'appellera pas non plus ex-papa, même si tu ne veux pas de relation avec ton père. Les ex-papa n'existent pas. Ex-maman n'existe pas. Ça veut dire que devant Dieu, nous avons la responsabilité d'une bonne gestion de la maison. Pourquoi? Parce que le parent, le papa plus, surtout, a cette capacité d'influencer positivement ses enfants et de limiter les dégâts. Et ce qui s'est passé dans la maison de David, c'était grave. Je vais vous le prouver par A plus B dans les Écritures. David était un géant. Tout le monde l'acclame dehors. Vous savez, par la grâce de Dieu, je suis beaucoup dans la mission. Je voyage, je suis à gauche, à droite. Mais attention, j'ai découvert que ma première force est d'abord la maison. Je ne peux pas être efficace à l'extérieur si à la maison, il y a la fragilité. Non. Donc je m'assure que j'essaye de bien m'occuper de ma femme, de bien s'occuper de mes enfants. J'en ai quatre. L'aîné a 20 ans. 20 ans et demi déjà. Vous voyez, non? Vous voyez, quand même, hein? Alléluia, alléluia. Tu as raté l'occasion d'acclamer le Seigneur. Tu vois, non? Donc, je suis jeune, mais j'ai commencé la vie tôt. Par la grâce de Dieu, amen. J'ai 21 ans de mariage. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. 21 ans. Oh! Jésus est Seigneur. Amen. Mais tu ne peux pas être un modèle pour les autres si toi-même à la maison, tu ne l'es pas. Et le cœur du berger, tu peux faire des exploits ici, mais à la maison, tu n'es pas un enfant modèle. Tu n'es pas un enfant respectueux, respectueux. Tu casses l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, tu empêches même tes parents de venir prier. Oh, c'est la prière. Oh, elle n'aime pas faire la vaisselle. Allô, je vois beaucoup de jeunes ici. C'est la prière. Sa chambre, elle ne sait même pas ranger sa chambre. Seul la prière. Celui la prière. Mais, frère, soeur, ce que tu as à la maison va beaucoup influencer ce que tu feras à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu t'aide à être un homme d'intérieur. Et à l'intérieur, que l'intérieur soit d'abord consolidé. Ne cherche pas à prouver aux gens. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit aux gens. Bâtis l'intérieur. Ah, je prends le temps de bâtir l'intérieur. Je prends le temps d'éduquer mes enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai des enfants quand même polis. Des enfants éduqués. Alléluia. Et je ne permets pas d'écart. Je regarde, je vérifie. Parce que tu peux faire des exploits à l'extérieur. On nous dit, on nous a toujours dit, la plupart des enfants des pasteurs sont des voyous. La plupart des enfants des pasteurs n'aiment pas Dieu ou bien font des mauvaises choses. Pourquoi? Simplement parce que les parents qui étaient bergers, qui sont bergers, ne prennent pas le temps d'être avec les enfants. Ils sont tout le temps partis. Semaine, tu es parti, week-end, tu es parti, tout le temps parti. Et c'était le cas de David ici qu'on va essayer de voir. 2 Samuel chapitre 13, 1 à 22. Vous allez voir, parce que David n'était pas un modèle, vous allez lire à la maison faute de temps. Regardez, je vais citer les choses qui se sont passées dans la famille de David. Premièrement,
l'inceste est rentré dans la maison de David. C'était grave. Le fils aîné de David, du nom de Amnon, va aller violer sa demi-sœur Tamar. Pourquoi? Il n'avait pas reçu l'éducation morale et une éducation spirituelle de base. Pourquoi? On va le voir. David était absent. À la maison, il n'était pas là. Il n'a pas pris le temps. Il a oublié que c'est la maison qui le porte. Le cœur du berger doit comprendre que c'est d'abord à l'intérieur. C'est d'abord dans le secret. David, lorsqu'il apprend que Amnon a mal agi, David n'a rien dit, ni en bien ni en mal. Ça veut dire que ce n'est pas un parent responsable qui ne sait même pas corriger ses enfants. Donc c'était quelqu'un qui vivait dans le... Il était dans la tolérance, il était laxiste. Un parent, que ce soit un parent spirituel, qu'un parent biologique, face à ses enfants, il ne doit jamais tolérer le mal. Le mal doit être discipliné. Voilà pourquoi à l'église, il faut qu'il y ait la discipline. À la maison, il faut qu'il y ait la discipline. Tu as mal agi, tu es sous discipline. Tu n'as pas dit amen pourquoi? Dis amen. Oui, parce que tout le monde n'aime pas la discipline. Non, non, moi, on ne m'aime pas. Si, je t'aime, c'est pourquoi je discipline. Un parent qui aime son enfant, il le châtie. Qui aime bien, châtie bien. Cœur du berger, dis avec moi, cœur du berger. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu m'a dit, un des problèmes, si aujourd'hui l'église perd le réveil, c'est aussi parce qu'il y a eu l'impunité. On ne sait plus discipliner. Quelqu'un commet le mal aujourd'hui. Il commet la fornication aujourd'hui. Le lendemain, il est là en train de servir sur la chair. Non, tu dois être suspendu. Et tu ne quittes pas l'église. Et tu es là. Alléluia. Oh, il n'y a pas d'amen. Hein? Bon, je ne suis pas venu te faire des cadeaux. Je suis venu te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Franchement. Et je sais que ton pasteur m'invitera encore au nom de Jésus. Et lui aussi, on l'invitera. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Très important. Amen. David n'a rien dit. Il manquait la rigueur. Et cela a... Vous savez, et Absalom, qui était le frère de Tamar, le frère direct de Tamar, va cultiver la haine et l'amertume. Et la Bible dit, il va cultiver cela pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il venge sa sœur en tuant Amnon. Meurtre, manque de discipline, et puis viol dans la famille d'un berger. Selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a minimisé les choses qui apparaissent petites, mais qui ont des conséquences graves. J'aimerais te dire aujourd'hui, sois une personne vigilante. Alléluia. Alléluia. C'est bien de réussir socialement, comme beaucoup aujourd'hui je vois. Ils n'ont pas le temps. Ils ont 2-3 boulots. Qui éduque les enfants? C'est la télévision. Tu laisses l'enfant devant la télévision. Tu laisses devant l'enfant, devant les réseaux sociaux. Tu ne contrôles rien. Tu ne veilles sur rien. Le langage de l'enfant commence à changer. L'habillement de l'enfant commence à changer. Alléluia. Oh. Moi je lutte, excusez-moi, mais je vais quand même le dire. Moi, à un moment donné, je commençais à entendre à la maison, ça va, wesh? Je dis, quoi? Pas de wesh ici, là. Wesh dehors. Parce que tu iras. Bon, je m'adresse à quelqu'un ici. Je n'ai rien contre ça, mais laisse-moi te dire quand même la vérité. D'accord? Tu vas monter dans les hauteurs. Tu vas aller loin. Tu vas commencer à dire, ouais. C'est quoi ça? Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à bien parler, à bien s'exprimer, parce que c'est. On est vulgaire. Pourquoi? Parce que les parents sont absents. Un jour, j'ai vu mon petit garçon venir avec le pantalon. J'ai dit, quoi? Ça soit la première et la dernière fois. Sinon, il dit pas amen, hein? Amen. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand tu vois les mauvaises graines rentrer, tu dois les retirer. Et c'est ça le rôle des parents. Si tu es berger, tu dois veiller sur ça. Tu diriges un pôle. Tu commences à voir n'importe quoi commence à rentrer. Tu dois censurer sévèrement en montrant l'exemple. Avec amour, bien sûr. Tu le fais avec amour, respect, mais tu le fais. Parce que ce sont ces petites choses qui vont ruiner l'œuvre de Dieu.
Amen, 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 amen. Qui veut que notre œuvre puisse aller de l'avant? Qui veut qu'on aille de gloire en gloire? Bien-aimé, pour aller loin, il faut se préparer aujourd'hui. Arranger les choses aujourd'hui. Les choses qui ne vont pas, il faut les mettre de côté. Très vraiment de côté. Et c'était ça la faiblesse de David. Tu veux un grand ministère, tu dois te préparer. Tu dois travailler. Travaille l'intérieur. Travaille l'intérieur. David a échoué à l'intérieur, alors qu'en même temps, il était en train de s'occuper d'une grande nation, d'arranger les choses. Il est en train de réussir. Tu réussis dans le travail, tu réussis dans les entreprises, tu réussis dans tout ça. Mais tu perds tes enfants, tu seras la personne la plus malheureuse. Parce que rien ne va remplacer l'éducation de tes enfants. Aucune somme d'argent ne va le faire. C'est ta présence qui va le faire. C'est ta diligence qui va le faire. Amen. Sois fidèle dans les petites choses et tu le seras dans les grandes. Alors pourquoi David a échoué? Regardons trois phases dans la vie de David que je veux vous montrer ici et puis on va prier. Trois choses, trois phases dans la vie de David. Trois périodes de sa vie qui ont amené l'échec de manière progressive. Première époque, première période de la vie de David, ça va de la victoire de Goliath à son intronisation comme roi. Première période de la victoire de Goliath à son intronisation en tant que roi. Et pendant cette période, David a donné naissance à 6 enfants. Vous pouvez le lire dans 2 Samuel chapitre 3, 2 Samuel 3 versets 2 à 5. La Bible en parle en détail. 2 Samuel 3, 2 à 5. La Bible parle des 6 enfants qui sont nés à David. Et là, c'était où? C'était à Hébron. Et là, à Hébron, David n'avait qu'un quartier général. Il n'avait pas de domicile fixe. Lisez la Bible. David n'avait pas un domicile fixe. Mais il a donné naissance à 6 enfants. L'aîné, c'était Amnon. L'autre, je crois, s'appelait, je sais plus, j'ai oublié le nom. Le troisième, c'était Absalom. D'accord? Et là, David n'avait pas le temps. Pourquoi? Parce que David ne faisait que sortir, aller d'expédition en expédition, de bataille en bataille. Il était tout le temps parti. Il remportait les victoires de l'Éternel. Il terrassait les ennemis, les Philistins, toutes sortes d'ennemis. Ils étaient terrassés. Mais en même temps, David n'a pas veillé à sa maison. Donc l'absence d'un père, l'absence de David a causé la carence dans l'éducation des enfants qui ont amené ces gens d'attitude. Tu me suis? Est-ce que tu me suis attentivement? L'absence, c'était un papa absent. Il va combattre à gauche et à droite et il était instable. Combien de gens sont des bergers, des serviteurs de Dieu, mais ils sont instables. Frère, sœur, tu dois lutter contre l'instabilité. Être occupé à tout sauf à l'essentiel. Ça, c'est grave. Dans la vie, tout n'a pas la même importance. Tout n'a pas la même importance. Voilà pourquoi il faut être très équilibré. Alléluia. C'était des absences, certes, justifiées, mais ça a eu des conséquences graves dans sa famille. Et vous allez voir, on va les voir vers la fin. Cela a causé beaucoup de chagrin à David. Et peut-être même c'est à cause de ça que cela a précipité sa mort. Ce que tu n'arranges pas aujourd'hui aura des conséquences demain en tant que berger. Alléluia. Alléluia. Sachez une chose, je voudrais que tu puisses noter cela. Les choses que tu ne fais pas aujourd'hui te rattraperont demain. Les choses que tu négliges aujourd'hui auront des conséquences graves dans ta vie demain. Ce que tu n'améliores pas aujourd'hui te chagrinera demain. Trouve le temps pour chaque chose. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22 verset 6: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est pareil même lorsqu'on est parent spirituel. J'ai par la grâce de Dieu les fils et filles qui sont là, qui sont venus m'accompagner. Vous pouvez parler avec eux, vous diront. Je suis très sévère. Parfois, moi-même, on dit que tu es méchant. Un parent ne doit pas avoir peur quand l'enfant dit qu'il est méchant. Parce que nous tous, on était petits, on disait que nos parents étaient méchants. Vrai ou faux? Mais je bénis Dieu pour, soi-disant, la méchanceté de mes parents. Parce que c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui.
Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand tu dois donner une éducation spirituelle, tu ne joues pas. Parce que je bâtis ta vie. Je bâtis ta destinée. Tu dois être un homme de Dieu demain. Une femme de Dieu demain. Donc, il ne faut pas jouer. Donc, ça prend du temps et ça prend un investissement. Et David n'avait pas ce temps-là. Et ça causait sans tort, ça causait la perte. Aujourd'hui, si l'église est malade, un des mots de l'église aujourd'hui, nous avons des gens spirituels, nous avons des jeunes qui sont remplis de feu, mais qui sont impolis, qui sont insoumis, qui sont rebelles. Parce qu'on ne leur a pas appris la loyauté. On ne leur a pas appris la crainte de Dieu. Ils servent Dieu. On a mis en avant les dons au lieu de mettre en avant le caractère. Là où on travaille, c'est le caractère. Et moi, si vous êtes avec moi, très peu de fois, je vais louer tes dons. Parce que les dons, ce n'est pas toi qui les as reçus. Tu les as reçus gratuitement. Là où tu dois travailler, c'est ton caractère. Et regarde ton voisin, dit, tu as un sale caractère, tu dois changer. Non, je sais qu'il ne veut pas t'écouter. Regarde-le bien en face. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui, tu as un sale caractère et tu dois changer. Et nous, pasteurs, nous sommes établis pour ça. Nous allons regarder. Un des caractères sales. Les retards. Vrai ou faux? Qu'il commence à 10h. Ici, c'est à quelle heure? Mais voilà. Nous, c'est 11h. Mais à 9h et 11h. 10h. Toi, tu arrives à 12h30. Et quand on respecte l'heure, à 13h, c'est fini. Nous, c'était 11h, 13h. Et ils sont venus à 13h moins 10. Oh, la prédication est finie. Et ils disent aussi à Linga, et Sili, c'est fini? Mais oui, c'est fini. Tu dois changer. Tu as un sale caractère. Un homme de Dieu doit être sérieux. Un berger doit être sérieux. Alléluia. Oh, pourquoi tu dis pas amen? Dis, sois sérieux. Je suis venu t'aider aujourd'hui. Il faut que tu sois sérieux. Nous servons un grand roi. Alléluia. Nous servons un grand roi. Si tu avais rendez-vous pour les papiers, tu serais en retard. Si tu avais un rendez-vous pour le travail, tu serais en retard. Mais je voudrais te dire, tu as le rendez-vous avec celui qui donne les papiers, celui qui donne la santé, celui qui donne tout. Alors tu dois l'honorer de la manière dont tu l'honores, de la manière il t'honorera. C'est pour cela que tu dois veiller à cela. Amen. Amen, amen, amen. Deuxième période dans la vie de David, c'est de l'intronisation à la révolte d'Absalom. De son intronisation à la révolte d'Absalom. Vous savez qu'Absalom va finir par se révolter. Et cette période a couvert presque 20 ans. Durant cette période, David était un homme très, très ambitieux. Il avait des grands rêves, il avait des grandes ambitions. Il était occupé à affermir le royaume. Il était occupé à organiser les choses. David était occupé à ne pas reproduire les mêmes erreurs que Saül. David était occupé. Il était occupé. Sauf pour sa maison. Tu vois encore, hein? Je ne te dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il faut le faire. Mais commence d'abord à l'intérieur. Commence d'abord à la maison. Parce que si à la maison tu es stable, je te garantis, tu feras l'œuvre de Dieu de manière stable jusqu'au retour de Jésus. Mais s'il y a un problème, à un moment donné tu t'arrêteras. À un moment donné ça ne marchera pas. À un moment donné tu vas te lasser. David néglige. Et pendant ce temps, vous savez ce qui se passe. 2 Samuel 5, 14 à 16. David est à Jérusalem. Il va donner naissance à 11 enfants. Pendant cette période, David donne naissance à 11 enfants. Plus de 6 autres, il avait au total combien? 17 enfants. Malgré les 11 enfants qui sont nés pendant cette période, David n'avait pas le temps d'échange. Il n'avait pas le temps de partager, d'échanger, de connaître. David dit, en parlant de berger, connais bien chacune de tes brebis. Et dans l'heure du soin. Pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec. Tu ne peux pas connaître quelqu'un de manière superficielle. Non, il faut passer du temps. Amen. Du temps de partage, le temps d'échange, le temps où il pose des questions, le temps de manger ensemble.
Regardez le modèle de Jésus. Jésus est venu former les disciples. Il vivait avec eux. Il dormait ensemble. Il passait du temps ensemble. Et il les a formés de manière efficace à être des bergers, des leaders qui embrassaient le monde. Pourquoi? Parce que le bon berger avait investi de son temps. Et David néglige d'investir le temps avec ses enfants. Les mauvaises idées traversent Absalom. Et Absalom, un jour, pense qu'il devient capable. Absalom commence à rallier toutes les personnes qui étaient contre David, tous les mécontents. Il devient leur leader. Il arrive qu'Absalom, un jour, il vient détrôner son père. David fuit son fils et il va se cacher. Il fuit la colère de Absalom. Pourquoi? Parce qu'Absalom n'avait pas appris à être un enfant loyal. Un enfant honore son père. David dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen, 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 amen. Il a brisé ce principe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déshonoré. C'est une figure des rebelles. Absalom est mort. Qui était fautif? David. Parce qu'il n'avait pas pris le temps, suffisamment de temps, de bâtir. J'ai compris une chose. Même bâtir la loyauté dans la vie des gens, ça nécessite le temps, la prière, l'encadrement, les corrections, les échanges. Frères, je prie que ces choses ne nous arrivent pas. Que nous soyons des bergers selon le cœur de Dieu, mais qui vont faire un travail qui va honorer Dieu et qui va perdurer dans le temps où Christ sera glorifié. Amen, amen. Et dernière période de la vie de David, c'était de la mort d'Absalom jusqu'à la mort de David lui-même. Cette période entre la mort d'Absalom et la mort de David, ça correspond à plus ou moins 15 ans. Et pendant cette période, David est redevenu un père normal. C'est comme si la révolte d'Absalom l'avait corrigé. David s'est comme réveillé de son sommeil. David s'est rééquilibré. David est devenu un homme qui était à la maison, qui prenait maintenant le temps. Mais c'était trop tard parce que le mal était déjà fait. Il y a des choses quand vous ratez le temps, la saison, c'est très difficile de rattraper. Un arbre qui est courbé depuis l'enfance, il sera très difficile de le redresser après un certain temps. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Voilà pourquoi instruis l'enfant selon la voie. Voilà pourquoi sois une personne qui travaille l'intérieur. Fais à soi les bons fondements. Même quand tu as un grand appel, un grand ministère, quand Dieu t'appelle, tu n'entres pas tout de suite dans l'appel. Il y a un temps de préparation, un temps de formation, un temps d'équipement, un temps où Dieu va te détailler, t'émonder, enlever les mauvaises choses, te préparer à être une personne capable de servir Dieu demain. Et ce temps-là est important. Alléluia. Alléluia. Et je finis en disant, définis bien les priorités. Lorsque tu vas voir le cœur de berger, ne vois pas le présent. Quand Dieu nous appelle, c'est toujours dans le temps. L'appel de Dieu ne concerne pas une année, deux ans. C'est pour la vie. Alors fais les choses bien pour que demain tu ne pleures pas. Que demain tu aies des actions de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais reparler aux jeunes. Les jeunes sont fougueux. Les jeunes, nous aimons servir Dieu. Je vous encourage. Mais sachez qu'il y a un temps pour tout. Après avoir servi Dieu, rentrez à la maison, soyez des modèles à la maison. Soyez des modèles pour vos parents. Mari, femme, sois un modèle pour ton mari, sois un modèle pour ta femme. Si vous êtes des modèles, plusieurs personnes viendront à l'église rien que par votre attitude. Par notre attitude, nous repoussons les gens sans les savoir. Et nous sommes là, Seigneur, envoie les âmes. Mais le vrai sorcier, c'est toi qui bloque l'âme de venir. Pourquoi? Parce que ton langage n'est pas approprié. Pourquoi? Parce que ton comportement n'est pas approprié. Alléluia. J'ai vu des jeunes pendant par l'église. Ils passent tout leur temps. Après l'église, ça va sortir, ça va partout. On sort. Et puis, l'image qu'on reflète à nos parents, c'est quoi? L'église vous prend tout le temps.
Et même certains parents commencent à dire non, on ne veut pas que nos enfants aient l'église. Parce qu'à la maison, tu n'étudies plus. Parce qu'à la maison, tu méprises ton avenir. Et ce n'est pas un bon témoignage. Le cœur du berger tient compte de tous ces détails. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, amen. Le peu de temps qui nous reste, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous voulons prier ensemble. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Je me donne tout à toi. Chant simple, je m'abandonne simplement. Je m'abandonne. Chante avec moi. Je m'abandonne totalement. Je me donne tout à toi. Sans rien garder. Chante avec moi, je m'abandonne. Je voudrais que chacun d'entre nous ici, nos mains levées vers le Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Dis à Dieu, tel que je suis, j'ai entendu ta parole. Je voudrais m'abandonner complètement à toi. Je voudrais que tu m'aides à ne pas tomber dans ce piège, dans ces erreurs. Je voudrais être un berger selon le cœur de Dieu. Je voudrais être un leader. Je voudrais être un serviteur dans ta maison. Lève bien ta main et prie avec moi pendant quelques minutes. Oh oui, je m'abandonne. Prie à Dieu. De Dieu. Tu es là, tu sais que tu aimes Dieu, mais tu aimerais que ton amour, ton désir pour Dieu puisse croître encore. Alors si tu es concerné, Dieu, l'Esprit de Dieu me parle de cette catégorie de personnes, est-ce que tu peux venir simplement devant ici? Je voudrais prier pour toi. Tu voudrais être un adorateur de Jésus, un passionné. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, embrasse mon cœur. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur puisse t'aimer
de chercher, de chérir, de désirer. Viens, 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 viens. Tu sens en toi un désir profond de la prière. Au fond de toi, tu veux prier longtemps, mais tu sens comme un blocage de foi. Oh, l'Esprit de Dieu me parle de cette personne. Tu sens des fois comme un blocage dans ta vie de prière. Ta vie de prière décolle, mais tu sens comme si il y a un palier qui fait que tu tombes dans une forme comme de distraction et tu vagues à autre chose. Tu te perds à autre chose. Lève les mains, vous qui êtes devant. Lève simplement vos mains. Ariama Shandabaraba Kariama Sharabaya Brosatarama. L'Esprit de Dieu. Mon amara Santaria Rabanama. Faria Kirama in the Skoroku. Shirinaria Daria Rabanama. Farabos Sharabos Shimabando. Seigneur, voici tes enfants, voici ton peuple. Je prie que tu les remplisses de toi. Je prie que tu les remplisses de toi. Tu as besoin d'être rempli de Dieu. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin de la plénitude de l'Esprit. Il vient te remplir maintenant. Arama Shandaraba Kariabra. Il vient rallumer la flamme du don qui commençait comme à s'éteindre. Il te dit, mon fils, ma fille, rallume la flamme du don ce soir. Rallume, je t'invite, je t'exhorte à rallumer la flamme. Et cela commence par la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est l'élément qui déclenche, oh oui, l'action de Dieu. L'action de Dieu dans la vie d'un homme ne peut pas être déclenchée là où il n'y a pas la soif. Voilà pourquoi le cœur de berger commence non par d'abord des choses à faire, mais à Dieu qu'on désire. Et David lui-même en tant que berger a dit, mon âme soupire après Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme te cherche. Mon âme te désire. Mon âme te veut. Mon âme te désire. Mon âme te cherche. Mon âme te cherche. Karadabarashata. Karabashata. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est en train de toucher son peuple. Il est en train de te visiter. Il est en train de te remplir. Il est en train de te toucher maintenant. Oh, oh, que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Sois rempli de Dieu ce soir. Sois rempli de Dieu. Maintenant même, au nom de Jésus. Oh, je viens. Tu as un appel, tu sais que Dieu t'appelle, mais des fois tu as peur de répondre à cet appel. Il y a comme une peur qui t'est saisie. Il y a comme une peur qui t'est saisie. Ce soir, le Seigneur est en train de te rassurer. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, oui, je suis ton Dieu, je suis ton Père et je suis ton Maître. Shandabarabasha. Le Seigneur veut se servir de toi. Il doit séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Mets-toi à part pour Dieu. Mets-toi à part pour Dieu. Seigneur, merci. Que ta grâce soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Chanda là-bas. Oh, il te touche. Il te touche. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Chandabarabarabarabushababa. Aime-le encore, serre-le encore, aime-le, aime Jésus. Je te donne ma vie. Quelqu'un ici avait perdu l'intimité avec Dieu, que le Seigneur ce soir rétablisse, oui, son intimité, ton intimité avec Dieu, qui rétablisse cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a une personne ici, je voudrais te voir devant ici. Tu as un problème de migraine. Un problème de migraine très très fort. Quand ça te prend, ça te fait très très mal. Je voudrais prier pour toi. Arrive. Où est-ce qu'elle est cette personne? Karabashandaba. Il te guérit maintenant. Te touche. Aussi. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans la vie de ta fille. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Elle est où cette personne? Elle est où cette personne? Je prie. Je viens m'offrir totalement. La grâce de Dieu sur elle. Je viens m'offrir.
Dieu veut ta vie complètement. Il veut amener la stabilité émotionnelle. Une stabilité émotionnelle. Le Seigneur veut restaurer ton âme et il veut guérir ton cœur. Seigneur, merci pour ta vie au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, merci d'apporter la guérison, la restauration. Que ce mal te quitte, que ce mal te quitte définitivement. Et tu vas dans le Nazareth au nom de Jésus de Nazareth. Elle aussi. Seigneur, je prie pour ta fille, ta servante. Que ta main puissante soit posée sur elle. Sois guéri et restauré sous l'onction de Dieu. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, les graines aussi. Oui, aussi. On a les graines. Tout à l'heure, Seigneur, merci pour ta grâce. Que l'onction de Dieu vienne sur ton fils, ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Et elle est déjà venue. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui une nouvelle.